Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est un tutoriel réseau. Donc on va faire un peu de sécurité de réseau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que sur mon réseau là, il y a des, comme d'habitude, des mouchards hein, qui tentent de espionner ce que je fais sur mon ordinateur juste par plaisir. C'est des services de renseignement, je pense, qui surveillent certaines choses, ou bien juste des personnes qui fouinent juste pour par plaisir, pour prouver qu'ils savent faire. Mais moi, je n'ai rien à prouver aux gens. Aujourd'hui, on va voir comment bloquer une adresse IP en soi-même. Donc, quelque soit une adresse IP distante ou locale, on va voir comment bloquer ça. Aussi, je vais vous montrer comment activer, désactiver votre carte réseau, donc qui est une solution envisageable. Et puis, on va voir pas mal de petites choses. Parmi les réseaux, surtout la commande trace RT, on doit avoir la commande ping aussi. Et voilà, donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, afin d'encourager la chaîne, d'activer la petite cloche de notification, à des manières que vous soyez informé des tutoriels qui sortiront. Une carte réseau, qu'est-ce que c'est? C'est un périphérique qui peut être intégré à votre ordinateur, ok, ou bien externe. Donc il me donne l'opportunité d'avoir une connexion sur un réseau, en fait, ok, qui permet à une machine d'échanger des données à d'autres machines d'un réseau, un réseau distant ou un réseau local. Je vous prie de vous abonner, merci. Ok, un réseau local, c'est un réseau que vous avez chez vous, par exemple, toutes les machines qui sont connectées sur votre box. Exemple où il y a la Wi-Fi. Vous avez deux types de connexions. Vous avez une connexion filaire, donc, qui est reliée via un port fast Ethernet derrière votre ordinateur. Ok. Reliée via un port fast Ethernet et avec un câble RJ45. Il y a des câbles RJ11 aussi, mais ça c'est pour le téléphone IP. Voilà, là on est parti. Ceci dit, pour aller voir vos quatre réseaux, vous avez à taper ncpa.cvl. Donc, je fais appel à mon ami ncpa.cvl. Donc, vous arrivez directement ici sans de chichi. Là, je vais activer ces quatre réseaux. Pourquoi? Parce que sans ça, je ne peux pas voir la Wi-Fi. Voilà. D'autre façon d'y arriver par là, donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Sur le logo Windows, vous cliquez là-dessus et vous allez dans paramètres, ainsi de suite, vous allez arriver ici dans les paramètres de Windows, vous allez dans réseau et internet. Ça, c'est la deuxième façon. Ok, bon, voilà. Et là, vous aurez qu'à afficher, modifier les options d'adapteur. Puis vous serez là. Ici, vous pouvez avoir des informations sur votre 4 ans, en fait. D'accord, vous pouvez voir les détails et tout. Jusque là, vous voyez les informations de cette carte réseau. Ok, donc ceci peut contenir, votre machine peut contenir plusieurs cartes réseau. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer la troisième façon d'y aller. Vous allez là où vous avez accès à internet. Parfois, c'est lorsque c'est connecté à aucun réseau, vous aurez ce logo là, le petit globe là. Ça signifie bien le monde peut se connecter sur votre ordinateur via une adresse IP, et aussi vous pouvez connecter le monde aussi via une adresse IP avec votre ordinateur. Vous cliquez dessus, en principe vous arrivez ici, vous cliquez sur le petit globe là, et puis vous serez amené dans paramètres du réseau et internet. Vous serez arrivé pareil ici, modifier les options d'adapteur, vous serez là. Donc, quatrième façon aussi,
faire les choses correctes. Donc vous tapez Windows plus R, vous vous ramenez ici. Ok, et là vous aurez à taper ncpa.cpi. Tout à l'heure on l'a tapé dans... On a parlé de recherche, mais là on l'a tapé dans l'exécuter. Ici, comme on a dit, vous pouvez avoir des informations sur votre carte réseau. On disait, faites priorité aussi, vous pouvez configurer, fixer une adresse speed. Là, on a déjà vu ceci. On a déjà vu ceci. On l'a déjà vu. On a déjà vu ceci. Je disais, vous pouvez avoir plusieurs cartes réseau. Moi, voici une carte réseau filaire. Donc, dit 4 Ethernet. Donc, ça, c'est un port face Ethernet qui est derrière votre ordinateur, que ce soit fixe ou portable. Là-dessus, vous êtes obligé de relier ça via un câble RJ45. Donc, ça, c'est une connexion filaire. Un câble RJ45 connecté derrière votre ordinateur, connecté directement sur votre box ou bien sur un switch dit commutateur, ok, sur un commutateur. De toute façon, votre box, vous avez au moins deux ou trois ports de, ou quatre ports de face Ethernet. Donc, vous pouvez dupliquer ça en rajoutant un switch, un commutateur. On parle plus des hub, puisque bon, voilà, on a remplacé par des commutateurs. Ici, ça, c'est une carte réseau Wi-Fi, donc qui est une connexion distante, différente de celle-là. Vous avez deux types de connexions, mais vous avez deux types de connexions de base. Une connexion filaire et une connexion distante. Donc moi, là, j'ai deux cartes réseau là-dessus. Donc ça, c'est la carte réseau d'origine, Ethernet, qui peut être grillé aussi, parfois, ça peut être grillé. Donc, dans ce cas, il va falloir acheter d'autres cartes réseau. Vous allez trouver ça sur le marché très facile, hein, que ce soit sur en USB ou ceux qui se mettent sur le port PCI de votre ordinateur. Ok. Ici, c'est une carte réseau que j'ai achetée. Une carte Wi-Fi, en fait, une carte Wi-Fi, parce que cette machine ne fait pas de Wi-Fi. Et là, vous avez cette croix rouge-là, veut dire que la carte, elle est active, elle est activée, mais elle n'est connectée à aucun réseau, d'où j'ai pas accès à Internet ici. Vous verrez que non connecté, si vous regardez, non connecté. Là, par contre, c'est désactivé, donc il n'y a pas de souci. Il est nécessaire, lorsque vous avez fini d'utiliser votre ordinateur, de déconnecter votre carte réseau. Comment faire? Vous cliquez là-dessus, vous avez déconnecté et désactivé. Donc, je disais, il est nécessaire de désactiver votre carte réseau lorsque vous n'utilisez pas votre carte réseau. Okay, lorsque vous avez fini d'utiliser votre machine. Si vous savez que... vous avez fini d'utiliser ça pour la soirée, hein, désactivez votre carte réseau. Demain, vous allez le réactiver. Comment ça se fait? Vous avez vu la mention désactivée sur les deux cartes réseau que j'ai. Vous, si vous avez une machine basique, vous aurez que celui-là. Ou Wi-Fi ou autre chose. Ok? Wi-Fi ou... Voilà, donc de là, c'est-à-dire que... Une fois que les deux ports sont désactivés, le fastnet sont activés, impossible à quelqu'un de se connecter sur les cette carte réseau afin de récupérer vos données, en fait. Ok, pour réactiver, vous cliquez dessus, vous faites activer. Là, activation. Vu que c'est celui-là qu'on va utiliser pour le tutoriel, vous voyez que c'est activé, en croix rouge. Mais par contre, n'est pas connecté. Donc là, je vais le connecter sur un réseau Wi-Fi. Je prends celui-là. Boom. Ok. Et de là, vous
vous avez accès à Internet. On a fini pour cette partie-là. De suite, vous allez voir l'histoire de blocage à la RCP. Mais avant tout, on va lancer l'invite des commandes pour faire un petit CD. On va se mettre à la racine. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un CLS pour tout nettoyer. Puis je vais changer la couleur du texte. Et puis je peux. Voilà. Là maintenant, j'ai mon réseau qui est connecté. Donc j'ai accès à Internet. Donc je vais chercher les informations sur mon réseau en faisant ipconfig. Donc ip pour Internet Protocol. Ipconfig. Et là, ce que j'ai les informations contre que j'ai sur la carte réseau sans fil, en fait. Carte réseau sans fil, donc la carte Wi-Fi que vous avez vue. J'ai son adresse IP. J'ai son masque de sous-réseau. Et enfin, j'ai la passerelle. Ok, la passerelle est d'autre que ce qui fait office à hauteur de ce réseau. Ok. Et par exemple, si je prends ceci, je vais sur un réseau, sur Internet, peu importe le. Vu que c'est un réseau mobile que j'utilise, donc je vais voir si c'est permis. Voilà, donc c'est pas permis. Pourquoi? Parce que si je mets http, le point, aussi aucun, c'est pas permis. Que bon, https, https, deux points, //. C'est pas permis. Ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est un réseau mobile que j'utilise. Je peux uniquement faire un ping là-dessus. Un ping. Un ping. En fait, le ping, c'est la façon dont les machines échange les données. D'accord? Ben, je dis, c'est une façon logique de contacter une machine sur un réseau. Donc, je vais vous faire un schéma tout à l'heure, d'habitude. Donc, en tant que je n'ai pas fait un tutoriel assez consistant. Ayant ce résultat-là, qu'est-ce que ça veut dire lorsque, après ce ping, lorsque vous faites ping, ça veut dire que ceci, ok? Donc, la machine, l'ordinateur à l'adresse IP, 168 sur le réseau 107, et le routeur à l'adresse IP, 25 sur le réseau 107. Donc, l'ordinateur a envoyé, a toqué à la porte du routeur, ok, du machine qui a l'adresse IP du numéro 25. Il a reçu ça comme retour. Paquet envoyé, 4 paquets. Paquet reçu, 4. Perdu, 0. Perdu, 0. Perte, 0%. Donc, en gros, durée approximative. Durée approximative des boucles en millisecondes. Donc, le minimum a été de 4 millisecondes. Et le maximum a été de 10 millisecondes.
pour une moyenne de 6 millisecondes. Donc la vitesse du réseau, voilà, c'est ce que ça veut dire, ceci. Tiens, je vais détecter autre chose. Je fais une adresse IP au hasard. Bon, si l'hasard nous porte chance, on va voir. Donc déjà, on va faire un CLS déjà. Donc, ping. Ping. 192.0.0.1.2. Donc cette machine-là, je voudrais bien savoir ce que c'est comme machine. D'accord? Parce que, on est d'accord, j'ai que une... Voilà. Je peux pas avoir deux réseaux. Ok, je peux pas avoir deux réseaux. D'accord. Je peux pas avoir de réseau. Je ne vais pas avoir de réseau. Je ne peux pas avoir de réseau. Là, il faut que j'aille voir comment ça se fait. Parce que si je ping, par exemple, ping... À tel point, je commence à faire des choses parce que je comprends pas. C'est là où je vous disais, il y a des individus qui expriment mon réseau. Moi, j'ai le réseau 107. D'accord? 107. 107. C'est le réseau 107. Là, j'ai un autre réseau 0. Qui j'arrive à contacter sur ma machine. Vous voyez, qui me dit la même chose. 8, 3 millisecondes, 6 millisecondes. Je veux savoir ce qui se passe. Ok, donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ça, c'est pour faire un petit schéma tout à l'heure. Ici, on a des informations concernant les deux adresses IP. En sachant que ma machine elle-même est là, elle est sur ce réseau-là. Elle est sur ce réseau-là et a pour adresse 168. D'accord? On peut pas déjà déconner, on peut faire une IP config, voir. Les adresses IP, voilà, 168. Ça, c'est mon ordinateur auquel je tourne ce tutoriel. Et l'adresse du routeur, c'est celui-là. Donc, on a deux machines. Donc, vous voyez que c'est ce réseau-là. En fait, en principe, je suis censé avoir un réseau comme ceci. Sans, parce que c'est de la classe C, avec cette masque de sous-réseau, c'est un réseau de la classe C. L'adresse du réseau doit être... Ok, doit être 192.168.107.0. Ça, c'est l'adresse du réseau. OK. Ici, j'ai un réseau 1. D'accord, je vais juste vous... Voilà. Ici, j'ai un réseau en 192.0.0.0. Là, voici le deux réseaux qui se trouve sur mon réseau à moi. Donc, lui, c'est l'intrus en fait. Je suis sûr certain, lui, c'est l'intrus parce que je ne connais pas celui-là. Donc, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Donc, je vais faire un CLS pour faire un trace RT. Trace RT est une commande de
qui permet de savoir combien de sous que ce réseau-là, combien de hauteur que ce réseau-là traverse pour venir chez moi. Donc on va prendre cette machine. Un, deux, trois, quatre. Ok. Là, en fait, je suis censé avoir le nom de cette machine, en fait. Je suis censé avoir le nom de cette machine. Par exemple, si je fais un tracé RT de l'adresse IP de l'ordinateur, de mon ordinateur. Attends, je vais vous montrer. Je vais faire un hostname. Vous allez voir, qui me permet de donner le nom de l'ordinateur. Vous voyez, ceci est le nom de cet ordinateur. Si je fais un trace RT, après, on va passer au blocage de cette adresse IP. Parce que je ne vais plus voir ça. Trace RT. 192.0.0.2 non, pas celui-ci, vous allez voir de quoi je vous parle. Donc c'est 168, l'adresse de ma machine, pas 69, l'adresse de cette machine là. Que voyez-vous? Ici, vous avez le nom de la machine qui apparaît. Donc lui, qui me paraît suspect, après les quatre, j'ai pas son nom, j'ai que son adresse IP. En principe, je suis censé avoir son nom. Comme j'ai fait pour trouver le nom de celui-ci. Ok. On peut être assertif, signifie trace route, en fait, c'est la route qui emprunte avant. Un minimum de 30 sous. Donc là, ça va, il a trouvé, ça a été vite. Donc ce réseau-là a été très... très... n'est pas trop long. Ok. Ok. Après, vous avez vu, hein, c'est comme ça pour détecter une anomalie sur votre réseau. Ça là, je vais détecter au pif. D'accord? J'ai fait un premier tutoriel, ils me l'ont sauté. Je vous dis que les gens, ils font n'importe quoi, mais voilà. Cet adresse IP là, je ne connais pas. Il va falloir que j'aille le bloquer. Et aussi, c'est que on doit faire un CLS. Donc l'adresse IP qu'on doit aller bloquer. Donc je prends un petit bloc-notes. Ok. Je vous pouvez vous abonner s'il vous plaît. Voilà. En fait, le problème, je sais pas quel type de réseau c'est, en fait. Je sais pas quel type de réseau c'est. Je sais pas si c'est un réseau, parce que... on va voir ça tout à l'heure. Donc, je suppose que c'est un réseau de la classe C. Ok. Donc, qui est /24. Je suppose que c'est un réseau comme ceci. Ça, c'est l'adresse IP. Et là, je suppose que ça, c'est l'adresse du...
Là, je suppose, hein. Il n'y a pas, tout autour, on n'a pas le préfixe, c'est un peu compliqué. Donc, je suppose que c'est un réseau comme ça que je vais devoir bloquer. Donc, IP à. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Donc, vous avez quelque chose comme ceci que nous allons voir tout à l'heure via les. Le pare-feu de Windows qu'on va voir tout à l'heure. Net user. Pas net user, mais plutôt net SSH. Non, mais plutôt net stat. Ça. On va voir une chose, c'est les connexions actives sur cette machine. Donc, cette adresse IP, je connais. D'accord? Je connais. 168, donc c'est l'adresse IP de la machine lui-même, l'ordinateur. HTTPS, ok. Et à adresse distante, c'est qui celle-là? Non, non, il y a un truc qui va pas. Adresse IP locale. Ici, vous avez le protocole utilisé. Donc ça, c'est la connexion active. D'accord? Ok. Connexion active. Ok. Tout ce qui est là, c'est l'adresse locale. Donc pour le moment, j'ai que le réseau 107. Donc mon réseau personnel. Ils sont tous reliés. Bon, il y a plusieurs connexions établies. Ici. Ceci. Ceci. Maintenant, j'ai une adresse, j'ai des adresses distantes, donc tout cela, en principe, je ne suis pas en mesure de les faire confiance. Donc, ping. Ok, j'ai tous les pingés pour leur dire que je connais votre manie. 20, pareil. Donc, tout ça, je vais mettre ça en blocage. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est le même adresse IP. Ils sont connectés en HTTPS, ça c'est le protocole. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui est HTTPS, c'est le port 443. Donc, je vais bloquer. Puis, bon, le port 443, je vais le bloquer en entrant aussi. Ici, j'ai celui-là. Mais lui, c'est du IPv6. Ceci, je vais bloquer. Avant tout, j'ai celui-là. Je vous prie de vous abonner si c'est pas trop demandé, s'il vous plaît. Tout ça, je vais les bloquer tout à l'heure. C'est comme ça pour surveiller votre réseau. Mais sans logiciel, quoi. Je vous ai dit que si je vous dis que je veux faire un coup avec Wireshark, mais là, ça va être encore plus complexe et ça va prendre un peu plus de temps, ce tutoriel. Donc là, c'est on fait avec le moyen du bord. D'ailleurs, tout à l'heure, on va passer au pare-feu du Windows. Donc, close wait. Donc pour l'instant, ça là, ils sont en attente. Close wait. Ils attendent.
Mais je l'ai bloqué quand même. Mais par exemple, celui-là, là, Establish it. Donc, ce sont des connexions établies. OK. Par là. Je vois la liste que j'ai pris. Donc, il y a celui-là. OK. 4 constructions qui sont. Je vais prendre le 16, le 816. Voilà. Je vais le bloquer sur vos yeux, vous allez voir. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Donc ça, c'est le premier même suspect de la liste. Parce que lui, il apparaît sur mon réseau. L'autre, ce sont des connexions que je ne vois pas. C'est via une connexion tête. Mais lui, c'est comme si c'est mon réseau. Lui, ne vous inquiétez pas. On est à OK. Close with. On va prendre celle-là aussi. Tout ceci, je vais les bloquer. Restez juste au bout du tutoriel pour voir comment je vais les bloquer. Donc on était ici. On prend celle-là. Tout ceci. De toutes les façons, vous verrez. Vous allez voir comment les bloquer, les débloquer. Ici aussi. Je sais pas comment, parce que j'avais bloqué cette machine, les connexions entre tous les ports en fait, sur tous les ports. Bon, ok, j'ai ça. Je peux aller encore plus loin. Parce que si je les ping tous, ça peut me rassurer qu'il y a une activité. Il se fait sur si close with, fais voir celui-là. Donc lui, ça va. Establish it, fais voir. Je vais essayer de voir si l'état d'activité de cette connexion. C'est le fait qu'il y a le... Après, je peux le pourrir la vue aussi. Hein. Il se passe ici. Hop. Ok, ça va. Là, le problème, c'est que le ping, il y a des lettres, des chiffres. Donc, il va me faire un compte rendu de tout ce qui compte, par exemple, des adresses IP comme ceci, mais par exemple, celle-là, là, par exemple, c'est établi. C'est sûr qu'il va me donner le résultat parce que c'est que des chiffres. Oui. Là, t'as vu, c'est OK. On va voir ça tout à l'heure. Que je dis, on va voir, vous savez très bien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. On appelle le ping. Ok.
Ok, le A dérange. Ok, c'est pas un problème. Là-dessus, je peux faire un tracé article, voir si. Après, on passe au blocage via le firewall de Windows. Classe RT. Plus loin, mais c'est ici. Impossible d'atteindre le site. Pourquoi? Parce que il y a la lettre. Putain, pourquoi? Ok. Si je vois combien de sauts, combien que. Ok, donc ça c'est la bonne adresse IP. On fait un ping. Là, si vous avez suivi le tutoriel, là j'essaie de voir combien de routeurs que ce réseau traverse afin qu'ils arrivent juste à moi. Donc je ne peux plus abonner, donc ça fait OK. Ah, là, on a. On va être en dessous. Ok. Ok. Lui, il répond pas présent. Maintenant, j'ai deux machines. J'ai celui-là. En premier lieu. Ensuite, le 192. 0.1, donc ça c'est l'adresse du routeur. Ça m'a fait deux. Ok. Donc là il y en a 7. Donc vous avez lu destination de l'un de l'itinéraire vers 152, 184, 216.226, donc avec un maximum de 30 sauts. Donc là, si je laisse ça faire ça 30 fois, ce que je vous dis là, en tout cas, ces deux-là, c'est sûr. Ça, je connais. Et lui, je connais pas. Donc, d'où ce réseau-là. Donc ce réseau là, tu vois, ça c'est la machine, ça c'est le récipient de la machine, et lui, le point 1 que vous avez vu là, à la place du 2, c'est la résidence de routeur. Ok. Avec là, c'est 192.0.0.1, donc ça c'est le routeur. Et le point 2, c'est la résidence de leur machine. Ok, donc là il s'arrête à normalement il doit me faire 30 sous. Là ici il bug ici là, donc c'est sûr que ouais, je vais forcer un petit peu. Là, donc 10. Ok, voilà. Ok, 11. Ok, 12. J'ai trouvé deux machines. Ok. Ok. Hop. Ok. 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 Okay. Donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Là en fait, si c'était un réseau qui avait par exemple, vous savez,
L'histoire de Bo là, dessous là, admettons que vous êtes en Alaska du Nord. Vous contactez une machine ici. Votre réseau, déjà, ça se peut que votre réseau de chez vous, ça part de chez vous déjà. Ça tombe sur une machine sur Internet, lui, qui envoie sur un VPN, ou qui envoie sur un truc qui arrive sur mon routeur. Tout ça, ça trace les routes, combien de routeurs que cette machine traverse pour venir à moi. Donc là, il a trouvé deux. Donc cette connexion, en fait, a trouvé deux. Vous comprenez? 1, 7 millisecondes, 5 millisecondes, 4 millisecondes. Oups, il arrive à 7 de hauteur. Ça, c'est ce que je connais, ça, c'est mon réseau. 2, 11 millisecondes, 1 seconde, 5 millisecondes. Il arrive à 7 machines. Ça, je connais pas, donc, le hauteur. Voilà. Là, on est à 19. En principe, il n'y a pas. Hein. Donc là, après, vous avez délai d'attente de demande dépassée. Donc, il ne trouve pas d'autres machines, en fait. Donc, ça, c'est la commande très certée. Donc, on en a 20 sauts. Il reste 10 sauts. En fait, le principe, c'est ça. Hein. Il l'a écrit dès le départ. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. OK. Là, ça commence à là, prendre la place. Comme je l'ai dit, il doit faire 30 sous pour chercher des machines. Donc, il y a deux qu'on a déjà trouvé. Après, on passe au blocage. Je peux même commencer par ici. Pour le blocage ici, vous allez dans le... Je vous ai dit que j'allais faire un schéma, mais je pense que le tutoriel va durer tout longtemps. Et voilà. Vous tapez sur le logo Windows et R. Sur votre clavier, vous avez ceci. Là-dessus, vous tapez WF.msc. Pas MSX, mais plutôt C. Qui va vous envoyer dans le pare-feu de Windows. Ça, c'est si vous avez d'autres firewalls, vous avez plein de choses, vous avez configuré ça. Mais je vais utiliser les outils de base de Windows pour bloquer ça. Bien que, bon, voilà. Mais ce sont des sécurités, voilà. Deuxième façon que vous pourriez aller, vous pouvez rester ici, vous tapez pare-feu. Pare-feu. Feu. Vous avez tout ceci. Et voilà. Parfait. Windows Defender. OK. Vous serez arrivé ici. Ici, j'ai déjà fait un tutoriel. Mais ça, c'était concernant les ports. OK. Comme je vous ai dit. Tout ce qui est HTTPS, c'est 443. OK. Et 80, c'est pour l'HTTP. Donc, vous avez vu les connexions qui se sont établies en HTTPS. Ce sont les ports qui s'affichent ici. Donc, c'est 443. Avant de passer ceci, donc, on a vu que c'était itinéraire terminé. Ben, à la fin, on a une autre machine, en fait. On a A. Ça, c'est une autre machine encore qu'il a trouvé. À 25, il a trouvé une autre machine. Il reste 5 encore. Parce que j'avais commencé à taper de l'autre côté. OK, donc 52,84. Donc, ça aussi, je vais le bloquer. Donc, je vais devoir balancer, rebalancer, être assertif.
Mais ça, je ne vais pas le faire. C'est pas très certain non plus. Ouais, pour être pas certain, quoi. Avec ceci. Si c'est le 52, 184, 216, 226. Non, mais en fait, c'est pas, c'est la machine, quoi. Donc, ça va, c'était pas une autre machine, c'est la même machine, en fait. Donc, là, il s'est terminé à 25. Donc, il n'a pas fait les 30 bornes, il reste 5 bornes. 5 sous. Donc, on va faire un CLS ici. Avant tout, je vais déconnecter les machines instantanément en faisant netstat. Ceux qui sont déconnectés, là, netstat. Après, je mets les règles. Pour, pendant que je les déconnecte, c'est ça va lâcher la connexion de l'autre côté en fait. Pendant que si par exemple il surveillait avec cette commande netstat, stat, tout coller, un tiret, AN, plus loin 5, pas 2 mais 5. Oups, erreur de syntaxe. Mais c'est ça la commande, il y a trop d'espace tout simplement. Voilà. Ici, toutes les connexions là, ça les déconnecte automatiquement de l'autre côté. Donc, vous pouvez utiliser l'ordinateur et laisser ça tourner sans souci avec cette commande. Vous avez vu la syntaxe, donc c'est netstat espace. AN donc vous mettez en pause, vous allez voir exact la syntaxe de la commande. Il faut arrêter ça, vous faites CTRL C si vous voulez arrêter ça. Automatiquement ça s'arrête. Bon, ok. Je vais faire un netstat encore pour relancer ça parce que je vais faire continuer sur donc, vous faites un espace AN et 5. Ok. Là, je laisse ça tourner comme ça. La personne qui se connecte, s'il se connecte, eh bien, il sera déconnecté. Donc, je passe au pare-feu. Ben, par contre, je veux faire ceci parce que j'ai pas trop de. C'est bon, j'ai prélevé les adresses IP. Je vais pouvoir voilà faire ce que je vais faire. J'ai des connecteurs sous j'ai désactivé ma carte réseau. En gros ça va. D'accord? Donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. C'est une partage de connexion que je fais, ça bouffe mes données, donc c'est pour ça. Donc là j'ai prélevé mes adresses IP que je vais bloquer. Donc ça ne sert à rien que je laisse ma connexion tourner. Puisque on est à faire avec ceci. Rappelez-vous comment rappeler cela. Là, on va mettre une règle. Ici, c'est l'interface du pare-feu de Windows. Maintenant, ça va être d'autres pare-feux. À vous de vous organiser pour l'utiliser. Là, on part au blocage des adresses IP prélevées comme suspect sur mon réseau ou sur votre réseau. Avec ceci qui est pare-feu de Windows. Un pare-feu, c'est ce bloc-là que vous voyez exactement avant que ça atteigne de l'autre côté. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un d'Internet, vous avez vu le globe là, d'accord? Quelqu'un du côté du globe et vous êtes derrière ce bloc-là. Donc, avant que cette personne arrive à vos ordinateurs qui sont posés derrière ce bloc-là, et voilà qui casse le bloc. Plus simple possible pour utiliser un pare-feu. Pour expliquer un pare-feu. Il y a d'autres explications. Et voilà. Ici, vous avez des règles de trafic entrant. Donc, c'est tout ce qui vont venir sur votre ordinateur. OK? Donc, l'adresse IP que je vous ai pris là, lui, il est rentré sur mon ordinateur. Cette adresse IP là. Il est rentré. Sortant, c'est comme si c'est moi qui va vers lui. Mais entrant, c'est lui qui va vers moi. OK? Plus simple possible. Ici, on va établir une règle pour les trafics
entrant, pas sortant. Parce que sortant, je veux pouvoir sortir moi. Mais entrer, si c'est moi qui rentre, ok. Mais si c'est toute personne qui ne connaît pas le mot de passe ou quoi que ce soit, je ne veux pas pouvoir rentrer. Donc, je clique là-dessus, un clic droit, nouvelle règle. Donc, j'aurais pu faire une nouvelle règle ici, mais je vais clic droit, nouvelle règle. J'aurais pu cliquer aussi, nouvelle règle ici. Voilà. Ici, je fais un clic droit, nouvelle règle. On peut filtrer, on verra après. Maintenant, votre règle concerne quoi? Programme pour prédéfini. Voilà, je vais faire personnaliser, puisque c'est une adresse IP que je vais bloquer. Donc, je fais suivant. Ici, tous les programmes. Je laisse tout ceci, je laisse s'accrocher. Tac. Ici, ça c'est l'histoire de numéro de protocole. Donc je laisse tout. Vous avez l'histoire des protocoles ici. UDP. Tout, moi je mets tout. C'est bon. Vous laissez tout. Pour exemple, c'est correct. Tout. Tout ici. Par deux fois. Après, vous c'est spécifique, vous allez voir. Maintenant, on arrive au moment qu'on va voir l'histoire d'adresse IP qu'on va bloquer. D'accord? Tout adresse IP. Donc, à quelle adresse IP locale cette règle s'applique telle? Ça concerne votre réseau local. Ça concerne votre réseau local, c'est-à-dire que toutes les machines qui sont connectées de votre de votre réseau local. De votre réseau local, c'est le réseau, par exemple, c'est là où est votre ordinateur. Ok. Si vous avez deux ordinateurs, cela fait partie de votre réseau local. Bien sûr, d'un réseau local, vous pouvez avoir des réseaux distants. C'est-à-dire que deux réseaux, en principe, est censé être deux réseaux distants. Ok. Un réseau, c'est un réseau. Donc, toutes les machines qui sont connectées sur votre réseau, sur un réseau, c'est un réseau local. Maintenant, s'il y a des machines qui sont connectées sur deux réseaux, il y a un des réseaux qui sont un réseau distant. Donc, les réseaux distants. Donc, je laisse ceci. Ici, je fais cette adresse IP. Là, à quelle adresse IP distante cette règle s'applique-t-elle? Je vais commencer par ajouter. Ok. Je vais commencer par rajouter celle-là. Là, ça tourne, c'est pas un problème. De toutes les façons, là, je suis pas connecté à Internet. Ça tourne, voilà. Mais ça déconnecte. Par exemple, s'il y avait des connexions, ici, là, cette commande, s'il y avait des connexions pendant que je tourne sur le tutoriel, ben, ils vont voir leur connexion coupée, plou, plou, direct. Donc là, c'est sécurité, réseau. Donc, on retourne ici. Je vais rajouter celle-là. Boum. Après, je peux mettre toute une plage, en fait. Toute une plage. Toute une plage. Tiens. Je vais tester une chose, toute une plage de 0 non de 192.0.0.0 à 192. Voilà. Et là, ce réseau là, si tu veux, tu peux mettre à partir de 1 ici pour être sûr de la chose. Si c'est un réseau de la classe
groupe d'ordinateurs prédéfini. Donc là, je mets tout sous. Voilà, je laisse ça comme ceci. Et c'est bon. Là-dessus. Oups. Là, il y a une petite anomalie. En principe, je vais faire suivant. Suivant. Suivant, tout bloqué ici. Et un nom, on va mettre pour. On va mettre test. Pour IP. Après, je vais le refaire parce que je suis pas sûr de ce que je vais me faire parce que là, c'est assez complexe. Hein. Je peux vous abonner, s'il vous plaît. Donc, IP bloqué. Là-dessus, c'est bon. Et vous faites souvent ça va permettre de vous retrouver. Par exemple, là, je vais l'écrire en majuscule, comme ça va apparaître sur l'autre. Test IP. Hop. Et là, si je vais ici, voici la règle que j'ai fait. Là, je peux désactiver la règle et je peux la supprimer. OK? Je la supprime. Je désactive. Ensuite, je supprime. Oui. Voilà, là, vous avez supprimé cette règle. Je vais en écrire, si vous voyez que ça ne marche pas, vous faites ce que je vais faire là. Alors celle-là, si je veux, je désactive. D'abord, ensuite, je supprime. Comme ça, tout va revenir à la normale. Je vais vous montrer la chose encore une deuxième fois, mais je vais le faire en sortant, en entrant, je voulais dire. C'est comme une maison, en fait. Vous devez, c'est la possibilité de sortir de la maison. Mais vous pouvez empêcher de personne, les gens de rentrer en mettant des clés. Donc là, vous faites ceci. Nouvelle règle, vous allez dans personnaliser. Hop. Tous les programmes. Ceci, je laisse par défaut. Et je mets ceci. J'ajoute cela. Je vais mettre l'adresse IP que je veux. 192.168. Donc là, je vais prendre uniquement la machine en question. Alors, c'était toute une plage. C'est bon. Ok, je fais ok. SCP valide. Ah, putain, qu'est-ce que je fais? Excuse-moi. Je vais ajouter un 0 en plus. 92, voilà. C'est 4. Ouais, non, mais c'est 4 octets, donc les 4 octets. 192 est un octet. Est une octet. 0 est une octet. 0 est une octet. 2 est une octet. Donc c'est pour ça que j'avais mis 5 octets. En principe, le PV4, c'est 4 octets. Le PV6, c'est 6 octets. C'est bon. Je fais OK. Vous avez vu que j'ai plus. Donc déjà, j'ai ça qui bloqué, donc je vais rajouter une autre. Je finis avec celle-là, donc y compris celle-là. Et oui, mais je vais pas taper, mais je vais tout faire en couler. Ok, c'est dans la liste. Tout à l'heure, c'était toute une plage. Ok, vu que je connais pas son réseau, mais je peux bloquer sa machine. Et si je vois ce réseau-là apparaître sur une autre adresse, donc il faut que je détermine c'est quoi son réseau pour pouvoir bloquer toute une plage. Et là, lorsque vous ne connaissez pas, ce que j'ai pas son masque de ce réseau. J'ai uniquement son adresse IP. J'ai déjà l'adresse IP de chez lui, j'ai l'adresse IP de la passerelle. Ouais, donc lui, il va pas le prendre. Ah putain. Pourtant, c'est ce qui est écrit là-bas. Lui, je peux pas le bloquer parce qu'il y a le A qui dérange. Lui, il comprend que les chiffres. Donc, si j'enlève le A. Vous devez. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Fait des points ici, c'est pas des. Et je laisse ça comme ceci parce que c'était tiré en fait. Je sais pas comment les mecs ils arrivent à faire des choses comme ça. Le problème c'est ça, c'est de tirer. Maintenant ça doit être deux points. Et puis là, c'est juste le A qui dérange. Et bon voilà. C'est comme ça pour bloquer vos adresses IP. Une fois que vous avez fini d'entrer tout, ce que vous souhaitez là, par exemple ici, là c'est de tirer, tout ce qui est tiré, donc je vais laisser. Ici c'est le point 13, là. Je prends ceci, je rajoute ici. Vous pouvez le faire une après l'autre, mais je peux rajouter un seul coup d'un coup. Une bière de coup. Boum. Ok. Là j'ai déjà bloqué 4. Ici. Pareil. Boum. Bon, ici. Ajouter. Hop. Ah, ça fait 5. Ajouter. Je vais ici. Je vais par là. Je prends celle-là. Et hop. Ça, c'est les adresses IP que j'ai prélevées tout à l'heure, qui étaient chelous sur mon ordinateur. Au moins, ceux-là sont foutu. Ok. 2, 4, 6. J'aurais pu rajouter 12 jours. Ok. C'est bon. Une fois fini, tous vos adresses, donc j'aurais pu être celle-là. Mais il y a une autre encore que je veux ajouter. Donc l'adresse, celui-là du routeur. Bien que le routeur ne peut pas venir se connecter. Là, vous pouvez modifier, supprimer comme vous voulez. Donc, 192. Les deux adresses que j'ai de lui, je vais le bloquer. Ça. Ok. Oh. C'est bon. Là, j'ai foutu cette adresse. Et là, je vais pouvoir faire suivant. Donc, là, c'est les adresses distantes que je connaissais pas. Ici, autoriser la connexion, donc je vais faire bloquer la connexion. Boum. Domaine privé, public. Vous avez vu. Autoriser la connexion. Là, vous pouvez venir modifier après pour pouvoir, si vous voulez l'autoriser. S'il y a un souci, vous voyez que là, vous venez ici, vous le autorisez. Vous pouvez autoriser si la connexion est sécurisée. Mais moi, je bloque carrément. Oui, je vais voir. Domaine privé, public, tout. Je laisse tout s'accrocher. Parce que je veux pas savoir. Là, je vais donner un nom. Un nom qui va être liste d'adresse IP bloquée pour ne pas laisser. Bon, voilà. Bon, après, j'aurais pu effacer tout ça. Ça fait trop quand même. On va écrire une livre pour dire ça. Liste d'adresses IP bloquée. Donc, je vais mettre. Une question. S'abonner, c'est maintenant qu'on fait, je fais ceci. À partir du moment, c'est bon, j'ai ceci qui s'est affiché. Ok. Donc cette règle-là, elle est active. Je peux le désactiver. Je peux cliquer là-dessus pour la modifier. Faire plein de choses avec. C'est comme ça pour bloquer des adresses IP. Donc ce tutoriel
a pris fin que général autorise la connexion. Autorise la connexion seulement. Si elle est autorisée, je peux cliquer l'une de ces cases. Allez, là, ou autre chose. Bloquer la connexion. Voilà ce qu'on a choisi. Non. Ça, c'est la règle. On peut l'administrer au fur et à mesure. Voir si on voit que ça ne va pas. Donc, je vous encourage à venir abonner cette chaîne. Après, il faut juste la désactiver et la supprimer après. Si vous voyez que ça ne tourne pas. En tout cas, ces récipients-là sont déjà nets. Et je vais arrêter ceci. Et là, plus ensemble. C'est comme ça, bien dégagé des pages. Tout ça, ce sont les résultats. Voilà. Donc, là, je peux faire un CLS pour nettoyer tout ceci et faire un exit pour sortir ça. Et voilà, c'était comme ça pour ce tutoriel. Donc, et ici, je peux fermer ceci aussi. Ma règle est là. Ce sont des règles que j'ai établies. J'aurais pu établir d'autres, activer d'autres, désactiver d'autres avec le parfait. Boom. Donc ça, après, je vous ferai un schéma. En fait, si vous voulez, et c'est voilà, je commence par ça, c'est pas grave, on voit ça après.